très stressé, pas trop stressé. Paralysé. C'est vrai. Ouais, une journée comme les autres. Hein. Et en plus, c'est le Tour de France, une course de 3 semaines. Ce serait dommage de s'arrêter là. C'est bon ? Prends pas de risque, Mika. Hein. Prends pas de risque. Ouais. Donc là, c'est bon. J'ai reposé Nono et Jérémy dans un groupe où il y a Cédric et Hermann. Allez, sortie de celui-là, Thibaut, t'es à 5 km, à 5 km du dernier secteur. Allez, c'est bien les copains, allez. Arnaud va mieux, il est tombé sur un rond-point tout à l'heure, il a glissé comme beaucoup de coureurs déjà depuis le départ. Mais là, il est rentré dans un groupe et tout, ils sont une cinquantaine de coureurs et tout va pour le mieux maintenant. Non, non, rien de cassé, il est un peu contusionné, mais rien de grave. Ah non, non, mieux. T'as retrouvé tes esprits? Hein? T'as retrouvé tes esprits? Ouais. T'étais un peu sonné, hein? Ouh. Sur le coup, Bah, j'ai eu peur. J'avançais plus, je dis là, c'est la fin du tour. Ouais, hein. J'ai cru. Et voilà, c'est fini. Ouais. Il m'a fallu 10 minutes pour récupérer. C'est bon. C'est très bien, Thibaut, très bien. Dernier secteur, tu vires sur ta droite. 1,6 km. 1,6 km. Eh ben, Pino, je vais le mettre à Paris-Roubaix l'année prochaine. T'es content? Ouais. Il m'épate là, il me fait plaisir. Les premiers jours de course dans le Tour, moi j'ai peur pour mes coureurs. J'ai peur d'en retrouver à l'hôpital, j'ai peur d'en retrouver parmi les spectateurs. On a peur de tout en fait. Il y a une espèce de psychose qui s'installe, mais bon, on le sait avant de venir. Ça dure plusieurs étapes. Après, on rentre dans un truc plus classique, on va dire. Arnaud, ça va? Ça va? Oui, ça va. Ouais.